Bonjour, on va traiter un exercice sur le nombre complexe. L'exercice est le suivant. Soit A et B dans le nombre réel, tel que A est supérieur strictement à 0, on pose grand Z est égal à A plus 1 plus B sur A moins et multiplié par B. Bon, la question est la suivante. On va déterminer, déterminant le module et l'argument de grand Z. Bon, soit Z appartenant à C, on a un module de Z est égal. Bon, on prend. Tel que z est égal à x plus y avec le couple xy appartenant à R au carré. Bon, le module de z, est égal à la racine carrée de z multiplié par z bar, qui est égal au module de x plus y, facteur de x plus y, conjugué. Qui est égal à la racine carrée de x plus y, facteur. Le conjugué de x plus y n'est rien d'autre que x moins y, qui est égal à la racine de x carré moins y de tout au carré. Donc, est égal à la racine de x carré plus y au carré. Ceci n'a rien d'autre que, bon, on va prendre, on peut calculer ici le module de z bar, est égal à la racine de z bar, multiplié par z bar, bar, qui est égal à la racine de z bar, multiplié par le conjugué du conjugué de z, c'est z, qui est égal à la racine, bon, de z multiplié par z bar qui est égal enfin au module de z. Donc, si les nombres sont conjugués, alors ils ont le même module. Bon, maintenant, on va calculer le module de z. Voilà, le module de grand Z est égal au module de A. Pardon. Facteur de A plus IB. Sur A moins EB, qui est égal le module de produit, c'est le produit du module, donc c'est le module de A multiplié par le module de A plus EB sur A moins EB, qui est égal. Bon, A appartenant à R, donc le module, c'est la valeur absolue de A, multiplié par, ici, 1 plus EB sur le conjugué de 1 plus EB, qui est égal au module de A, valeur absolue de A. Bon, le module de rapport, c'est le rapport du module. Le conjugué de 1 plus IB sur le module de 1 plus IB, bon, ce rapport est égal à 1, on s'appelle donc est égal à 1. Le module de Z est égal à la valeur absolue de A.
Bon, maintenant, on va chercher l'argument de branche Z. Bon, on a Z est égal à A plus, pardon. A plus IB sur A moins IB. Alors, argument du Z, il est convenu à argument de A, 1 plus IB sur A moins IB modulo de P. Comme A est positif, donc son argument est égal à 0. Donc il est égal. Argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc, une congrue à argument du A plus argument de 1 plus IB sur 1 moins IB. Module de B. Argument de A, puisqu'elle est 0, puisqu'elle est positive, donc argument de A est égal à 0 plus. Et si argument de A plus I, UB, sur A moins UB, modulo de B, est congru à argument de A plus UB moins argument de A moins IB, module de P, qui est congru à argument de 1 plus IB moins argument de 1 plus IB bar de P. Mon argument de Z bar, c'est moins, donc c'est argument de 1 plus IB, pardon, plus. Moins, pardon, moins argument de 1 plus et B modulo de P. Bon, ici, argument du Zilbar est égal à moins argument de A. Et congru à argument de 1 plus et B plus argument de 1 plus et B modulo de P. Donc, il est égal à 2 fois argument de 1 plus IB modulo de P. Bon, il me reste à déterminer. Bon, déterminons. Argument de 1 plus IB. R exponentielle et θ avec R
R est égal à racine de 1 plus le carré. Et comme tangente θ est égal à sinus θ sur cosinus θ est égal b sur racine de 1 plus b carré sur 1 sur racine de 1 plus b carré, on simplifie par 1 plus b carré, c'est b sur 1 qui est égal à b. Donc, θ est égal à arc. Arc tangente de B. Donc, argument de 1 plus B n'est congru à arc tangente de B, modulus de B. Donc, argument de A 1 plus LB sur A moins LB est convenu à deux fois arc tangente de B modulus de P. Et module de 1 plus LB sur A moins et B est égal à valeur absolue de A. Voilà le module, pardon, voilà le module et voilà l'argument. L'argument, c'est deux arcs tangentes de B, module de B. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention, à la prochaine.